Bonjour à toutes et à tous, c'est Space Game et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2, une deuxième vidéo, un deuxième gameplay sur le jeu donc Sonic Advance. Alors je vous explique, dans la première vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu cet épisode 1 en quelque sorte, vous n'avez qu'à cliquer sur la miniature qui s'affiche à l'écran. Je vous avais demandé dans cet épisode 1 si vous souhaitez, si cette vidéo bien entendu vous a plu, une deuxième vidéo dessus. Et donc il s'est avéré que cela vous a plu, donc vous avez été nombreux dans les commentaires à me la demander, cette deuxième vidéo. Et comme je l'avais dit dans le premier épisode, je prendrai donc un autre personnage, donc là, puisque je choisis des personnages, nous allons prendre Knuckles, donc pour cet épisode 2. Alors, on va donc jouer sur la zone 1, acte 2, ce qui est très bien. Et voilà, donc Knuckles, de toute façon, c'est à peu près, je veux dire, à part les couleurs et tout, c'est le même personnage que Sonic. Et dans l'épisode 1... on avait réussi sans faute avec Sonic les deux petites zones, enfin je sais plus, mais enfin voilà. Et heureusement il y a eu un premier petit boss, et ce boss c'était, je sais plus comment il s'appelle, le docteur... Ah, je n'ai plus le nom en tête. Et on l'avait battu, il avait une espèce de voiture, marteau, truc bien bizarre. Ah, mes pièces. Forcément, les choses vont se durcir, hein, les niveaux vont devenir de plus en plus difficiles, forcément, ça on peut s'en douter. Mais je sais pas si dans le jeu, à un moment, on peut véritablement tomber. Enfin, je sais pas. Parce que sinon, après, je pense que je peux arriver à reprendre. C'est quoi ça? Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, je suis pas vraiment un professionnel de jeu. C'est surtout que... Ah, faut faire comme ça. Et voilà. Bon, j'ai perdu beaucoup de fois mes pièces, mais j'espère quand même en avoir assez, je veux dire. Là, j'en ai 36. En fait, j'ai l'impression que la zone 2, enfin de l'acte 2, j'ai bien l'impression que je suis obligé de recommencer le boss pour pouvoir... atteindre la zone... Enfin, c'est pas gênant, de toute façon, je l'ai déjà battu dans le précédent épisode. Donc, je vais vous passer cette petite finale et on se retrouve juste après pour la véritable zone 2. Et voilà, on se retrouve donc après cette bataille contre le docteur, je sais toujours plus son nom, qui a duré un petit moment en fait, parce que moi tout seul, je m'en suis moins bien sorti que avec vous à l'épisode 1, donc... Voilà. Enfin, l'important, c'est que donc on se retrouve sur l'acte 2. Oh mince. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Oh là. Oula. Knuckles, c'est l'artiste. Je suis voltigeur professionnel au cirque Pinder. Ah non, j'ai eu peur. Non, ça c'est inadmissible. Voilà, maintenant on va prendre ça. Je pense que ça va m'aider. Oh le nul, c'est minable. Ah, ça accroche le mur. Ah, c'est intéressant ça. Alors moi je viens d'apprendre quelque chose, vraiment. Hein. Alors ce qui va être super, c'est que du coup je vais prendre ça là. Il me semble ramène au point, enfin si je perds ça me ramène à ce point là. Et puis il y a ça là, c'est quoi? D'accord. Je découvre, hein, excusez-moi, je découvre en direct devant vous. Ah d'accord. C'était de la lave, il me semble. Hein. Mais là, j'ai pas beaucoup de pièces et ça commence à m'inquiéter parce qu'après, si le boss, j'ai pas beaucoup de pièces, ça va être plus dur à battre. Oula, c'était rapide là. Et voilà, celui-là, je sais même pas comment j'ai fait pour le battre. Ah! Et voilà. Donc c'est comme ça et après comme ça. Oh non! Oh non! J'avais plein de pièces, non! Non! Et Knuckles le voltigeur est de retour! Et voilà, c'est bon, enfin, on a fini, il me semble, la moitié. Enfin bon, en tout cas, on a fini un truc. Ah, la musique est bien. Ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Et forcément... Cela va être plus prudent. Voilà, comme ça. Non, je vous aime pas, vous, là. C'est pas facile d'arriver à monter, en fait, avec ça. Ah, il y a un crochet. Je sais pas vraiment où il va m'amener, mais en tout cas, il y a un crochet. Mince. Et voilà. Je sais pas si je vais véritablement dans le bon sens, mais... J'ai l'impression qu'il est infini ce niveau. On n'est pas déjà été là tel tout à l'heure. Ah non, c'est moi. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez un troisième épisode sur ce jeu, je sais pas si j'en serais capable, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je veux dire, si l'important c'est que les vidéos vous plaisent, donc si j'ai trouvé un concept qui vous plaît, surtout dites-le moi dans les commentaires, que je continue comme ça, parce que c'est important. Ah oui, c'est encore un crochet. Ah, ah ça va me faire bondir, oui d'accord. Quand ils sont penchés, c'est-à-dire que ça va nous mettre sur un autre de côté. Ah sympa la pince. Bon lui là, il va nous embêter, tac, voilà. Et bon. Il est vraiment plus compliqué ce niveau que les autres niveaux, hein. Vraiment. Voilà. Et voilà. Oula. Ah d'accord, il a changé de véhicule. Parce que l'autre, on a dû l'exploser en fait, son véhicule. Mais vraiment, le massacrer même. Ouh, il est pas facile à battre. Le problème, c'est que si je débloque pas ça, vous pourrez même pas dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 3. Ah. C'est peut-être... Ah d'accord. Parce que là, je n'ai pas le droit à l'erreur puisqu'il me reste 0 vie. Ah voilà. Bon, bah malheureusement, game over. Le docteur, je ne sais plus quoi son nom, a gagné. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes vraiment nombreux et qu'on passe les 20 likes. J'essaierai vraiment de passer le niveau. Et on se retrouvera pour un épisode 3. Bien sûr, si vous aimez. Enfin, si vous voulez un épisode 3. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.